bienvenue dans cette nouvelle postée qui va être un peu futile. On va parler, en fait, on fait un tag. De nous. Voilà, on va parler de nous. Vous allez apprendre à nous connaître un peu plus. On a bien rigolé en faisant la première partie donc sur la chaîne d'Asma, ouais. Qui est juste en barre d'informations. Vas-y, Asma. Donc, on continue les questions. Donc, il y a tag, six questions. C'est le tag meilleure copine. Donc, les six questions. La première la question. La maison, là, j'ai envie de... Oui, la première question, donc, c'est... alors, où est-ce qu'on en était? Alors, première question, si ta maison était en feu et que ta famille était saine et sobre, que prendrais-tu? Mon disque dur. Il y a toute ma life dedans. Il y a toute ma life, il y a tous mes voyages, les photos de mes bébés, mes photos. Ah, je prendrais mon disque dur, ah, oui, sans réfléchir. Moi, franchement, je pense que... Qu'est-ce que je prendrais? Mes papiers. Je pense mais non, parce que les papiers, tu peux les refaire et tout, tu vois. Tes papiers, tu peux les refaire. Ouais, mais je sais pas. Bah oui, mais ton passeport, machin, ça t'est allé. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, tu peux refaire, mais c'est tes souvenirs. Oh, mais c'est vrai, souvenirs, ouais. Ça c'est fini. Oui, 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 oui. Tu vois, moi, je suis très. plus avoir les. T'imagines, de plus avoir les photos de tes enfants quand ils étaient bébés, et tous les souvenirs. C'est vrai, les souvenirs de mariage. Bah oui. Oui, oui. Allez, souvenirs, on va dire. Toi aussi, disque dur. Oui, oui, disque. Tu vois, disque dur, mais mes photos. Mais ouais, mais disque dur aussi, oui. Voilà, on va dire ça. Deuxième question, Hasna. Voilà. Si on pouvait donc aller quelque part dans le monde ensemble, où est-ce qu'on irait toutes les deux ensemble? L'endroit qui nous irait toutes les deux. Donc au soleil déjà. Les Maldives, ouais, genre un pays comme les Maldives, enfin les Maldives. Les Maldives, mais je dirais plus, non pas les Maldives, c'est pourquoi je vais te dire, parce qu'on a, nous on aime bien sortir et découvrir la ville et faire des trucs en fait. Pourquoi pas genre des pays comme des villes comme, enfin des pays comme la ville comme Cuba. Ah. Tu vois, Cuba c'est intéressant, tu peux filmer. Attends, tu peux c'était quoi la question? À quel endroit vous irez ensemble? Non mais on s'imagine qu'on peut vraiment choisir une destination. Qu'est-ce qu'on choisirait ensemble? Parce que moi par exemple Cuba. On aimerait bien faire l'Amérique avec la famille et tout ça, donc j'essaie de réfléchir vraiment à un truc à faire entre copines, tu vois, avec du shopping, avec, comme tu dis, de la bonne bouffe, moi je dirais New York. Avec du sauna, on a à New York, oui. New York. Mon Samed, il aime pas New York. Ah ouais. Donc voilà, on va à New York. New York, on fait du shopping. Ouais, non, New York, franchement, je plein me vois bien. Je me vois bien à la New York, les hamburgers, voilà. Les shopping, je suis sur le make-up. New York, ou Los Angeles, Miami, et tout comme ça, mais il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, New York, c'est bien. C'est bien. Donc, deuxième question. Ton film préféré. Troisième question, donc maintenant, notre film préféré. Ton film préféré. Tu vois, comme quoi, on se connaît pas. Non, mais non, c'est pas ça. Mais j'ai pas de film que j'aime bien revoir. Sincèrement. Moi, j'aime beaucoup La Ligne Verte. Film indien, Bollywood. Non, indien, pas du tout. Ouais. Attends, il y a quoi comme film que j'aime bien? Tu vas rigoler, hein. Les films que j'aime bien, c'est les mangas, en fait. Ah, Studio Ghibli. C'est japonais, en fait. C'est japonais. Fond, et ça, voilà. Tu me l'avais dit, là, le tombeau des Lucioles et tout à fait. C'est des trucs que je peux regarder, re-regarder. Enfin, c'est un genre de. Ce sont des mangas, voilà, japonais. Des studios Ghibli, tu vois, tu m'as, l'autre fois tu te rappelles, on en discutait, je connaissais le tombeau des Lucioles. J'ai vu le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles, il y a Chihiro, il y en a plein. En fait, c'est le genre de manga, je peux regarder 10 000 fois et ça me. J'aime toujours. Vois, c'est un genre de film, on va dire. Moi, je dirais, moi pareil, j'ai pas vraiment un film préféré parce qu'il y en a pas mal que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé La Ligne Verte. Franchement, ouais, ça me paraît. Donc, ça c'est le film que tu pourrais re-regarder. Voilà, je pourrais re-regarder avec le costaud, la Black, voilà, qui guérissait tout le monde. Franchement, ouais, c'est un film qui m'a fait pleurer. J'aime beaucoup aussi les films Bollywood. Devdas, ah oui, mais moi je suis à fond, j'aime vrai. Devdas, non, moi, pareil. J'aimais bien, mais après. T'es vite lassée? Ouais, je me suis vite lassée. Au moins Devdas. Avec un Enfin, je crois que c'est cette chanson. Non, mais attends, tous ressemblent. Non, mais Devdas, machin. C'est le film. Ok, Devdas. Mais bon, non, moi je peux plus regarder. Ouais. Non, moi j'adore les chorégraphies. J'aime bien les chorégraphies et tout. Mais je dirais Devdas, mais pas. C'est pas vraiment mon film préféré. C'est too much, tu vois, c'est too much. Et en plus, c'est tout le temps la même chose. C'est kitsch. C'est toujours le pauvre avec la riche ou la riche avec le pauvre. Nanan, ils veulent pas. Nanan, tu vois. Mais j'en regarde beaucoup des biens. Mais voilà, on va dire, s'il fallait dire un film, j'irais La Ligne Verte. Voilà. Quatrième question. Pantalon ou robe? Pantalon ou robe, Hasna? Toi plutôt pantalon, j'ai l'impression. Pantalon ici et Singapour robe parce que c'est plus facile. Moi je dirais pantalon. Pantalon, c'est vrai. Tu mets pas souvent en robe, hein? Non. Est-ce que c'est par rapport au climat? Moi je te parle de tes préférences. Ah, mes préférences sont pantalon. En fait, je me sens beaucoup plus libre de faire des gestes avec un pantalon, avec mes enfants. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai essayé de mettre des jupes et de me dire, mais en fait, ouais, je suis mieux en pantalon. Moi, les robes, j'aime bien, voilà, ça fait un plus classe, etc. Oui, mais pour le quotidien, Voilà. Après, pour les occasions, bien sûr, j'aime bien être en robe, etc. Mais c'est vrai que pour tous les jours. Mais je préfère les pantalons. Attends, qu'est-ce qu'on a prévu pour la fashion week là?
On a prévu de tout, robe et pantalon. Ah ouais, il y a des robes et des pantalons. Voilà. Donc voilà, et on est... ça c'était quoi, 4 ou 3 4. Cinquième question. Donc... Avez-vous quelque chose qui marche en double? C'est quoi cette question? Avez-vous quelque chose qui marche en double? Qu'on fait pareil. Qu'on fait pareil? Qu'est-ce qu'on fait pareil? Mais les enfants, Moi, les vidéos, déjà c'est déjà pas mal les, parce que regarde, les vidéos. Là, tu vois, quelle est votre marque de maquillage préférée? Une seule. Une seule, mais c'est dur. Dur, hein. Oui. Surtout pour nous, les make-up addicts. Attends, si je devrais choisir une seule, franchement. C'est dur, hein. Bon, moi je vais dire ce qui me vient en tête directement, je dirais Dior. Je savais que t'allais dire Dior. C'est vrai? Ouais. Dior, parce que franchement, ouais, depuis le temps que j'en teste et je reteste et j'ai essayé, j'aime beaucoup. Bah parce qu'ils allient des fois, beaucoup, souvent même le soin au maquillage. Par exemple, les derniers rouges à lèvres, tu vois, c'était aussi des soins. Bah, moi, je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, en Dior, en termes de marques de luxe. Après, il y a des marques, par exemple, qui sont un peu plus clean au niveau composition. Comme par exemple, il y a des, par exemple, les produits Avril, j'avais testé. Ah oui, franchement, ils ont du bon. Et j'aime leur make-up, oui. Voilà, donc. Mais franchement, j'ai pas une marque. Hein. Alors, 10 ans, j'ai pas une marque. J'ai été très fan de Make-up Forever. Make-up Forever. J'ai beaucoup aimé Make-up Forever. Ouais. J'aime encore beaucoup. Ah non, Inglot. Je sais pas si t'as essayé. Ah, oui. La marque polonaise, oui, j'aime beaucoup. Inglot. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai du fond de teint. J'avais acheté ça la première fois en Angleterre. C'est vrai, ouais, et moi, la première fois, palettes. C'était au Liban. Ah bah, tu vois, voilà. C'est là-bas que j'ai connu d'ailleurs. Alors, dernière question. Ta-da-da-da. Dernière question, qu'avez-vous fait la dernière fois où vous étiez ensemble? On a filmé des vidéos pour vous. Mais on va dire, on a passé du temps dans la famille Krasna. Ah, énorme, on a passé énormément de temps ensemble aussi, oui, hein, franchement. Ensemble, à papoter, donc je pense que c'est et, ça. Et on va encore en passer là, parce oui. Que là, on a fini là. On est ça en train de clôturer le côté boulot. Côté et là maintenant, travail, on va profiter. On va profiter d'Amsterdam. On va découvrir Amsterdam, on va découvrir, oui. On va laisser goûter bon, des je plats. Je pense que vous nous verrez sur Instagram de toute façon ensemble. Voilà pour ce qui est de ce tag. Bah écoutez. On vous fait de gros bisous. C'était ma vidéo, la tienne. C'est sur la mienne. Ah, vas-y. On vous fait de gros bisous. Oui. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de tag ou autres challenges, etc., n'hésitez pas à mettre ça très bien, les challenges, en commentaire. Bisous. Bye. Bye. Yeah, finish. Wouhou. Finish. 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 Ah, ça, regarde bien si ça vient.